Salut, c'est Zara Sibus, j'ai 28 ans, je suis escrimeuse et je suis féministe. À quel moment tu t'es dit, voilà, moi je me suis toujours sentie féministe, j'ai envie de montrer ma position. Qu'est-ce qui s'est mis en place en fait dans ta tête? Ça a commencé par des discussions avec des amis ou des personnes, des femmes dans le milieu du sport. Toi, tu penses quoi de ça? Et j'ai fait une vidéo avec une de mes concurrentes qui est très forte, qui est championne du monde, qui s'appelle Alice Volpi. Et je lui posais des questions sur ça. Qu'est-ce que tu penses de la vision des hommes escrimeurs par rapport aux femmes escrimeuses? Et en fait, elle disait oui, ben, c'est vrai qu'ils disent que nous, on est beaucoup moins rapide, on est beaucoup moins divertissant, les gens n'ont pas trop envie de nous regarder puisque voilà, c'est un sport différent, on est plus lente et tout ça. Je disais, toi, tu penses quoi? Et elle disait, oui, c'est vrai, on est plus lente. En fait, Donc elle était elle d'accord était avec d'accord ça. avec ça. Et je me disais, mais c'est vrai que ben, tu l'acceptes à un moment donné. Tu es dans ce milieu-là, tu évolues et il y a certaines personnes qui l'acceptent. Et moi, je sais que je ne l'acceptais pas. La dernière fois, je regardais, enfin, je feuilletais l'équipe et c'était vraiment affligeant de voir la place qu'il y a pour le sport féminin. C'est presque rien. C'était trois articles dans tout un journal. C'est quoi les exemples de phrases sexistes qu'on t'a déjà sorties? Tu es en legging et tu vas t'entraîner. Tu es normal, tu es une femme, donc tu es en legging et on va te dire, ah, mais aujourd'hui, t'as pas mis de string, t'as mis une culotte, tu pourrais faire un effort et tout. C'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre quand tu vas t'entraîner, quoi. À l'escrime, on a un arbitre et on donne des décisions. Et donc les garçons vont tirer et ils vont demander l'avis à d'autres garçons. Et si une fille dit, ah, moi, je pense que l'attaque était de droite, ils vont la regarder, ils font, mais t'es une fille, quoi, qu'est-ce que Ah tu oui, à sais? ce Tu vois? point-là. Non, mais c'est des choses comme ça. C'est des choses qui... Ah oui, quand même. Donc en fait, je peux pas utiliser mon cerveau comme toi, donc je ne peux pas analyser l'action. Alors, tu as été invitée sur certains événements, je pense comme ça au Red Défilé, je pense aussi à des événements de certaines marques qui organisent des soirées autour de la femme, du féminisme. Et tu Voilà. as entraîné d'autres sportives avec toi, d'ailleurs. Exactement. Et donc le Red Défilé, ça a été en fait Isabelle Veil qui a créé cette association Agila pour parler de tous les maladies cardiovasculaires chez la femme, qui m'a contactée, qui m'a dit, voilà, on voudrait que tu fasses partie du Red Défilé cette année. Et j'ai dit oui, mais à une seule condition, je veux qu'il y ait plein d'autres femmes athlètes qui viennent et qui puissent aussi en parler, parce que de toute façon, il faut, enfin, elle parlait de comment l'hygiène de vie c'est important. Donc en fait, c'est des valeurs qui étaient retrouvées chez d'autres sportifs que je connaissais. Et j'étais contente de le partager avec d'autres athlètes qui ont aussi les mêmes valeurs que moi et qui n'ont pas forcément la plateforme ou les événements pour parler ou pour s'exprimer sur ces sujets-là. J'ai envie de parler de MeToo et des répercussions de cette parole qui se libère chez la femme dans le sport. Il y a eu récemment des révélations dans le patinage artistique, mais je doute que ce soit le seul sport concerné. Est-ce que tu penses que la parole va pouvoir se libérer ben, dans tous les autres domaines, dans toutes les disciplines? C'est vrai que c'est tabou, mais ça existe depuis longtemps. On est dans un milieu sportif, on y arrive très jeune en tant que femme. Donc on s'adapte un peu au code du milieu et on ne sait pas vraiment ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Moi, j'ai entendu des coachs dire qu'une athlète féminine a besoin de se sentir proche de son coach pour performer, a besoin d'avoir des affinités, une femme a besoin d'être dans une relation de séduction. Non, pas forcément. Donc forcément, non, pas du tout en fait. Mais il y a des systèmes de pensée comme ça qui doivent changer. Et ça arrivera aussi quand il y aura des femmes en tant qu'entraîneuses. Il y aura des femmes dans les fédérations pour empêcher aussi, pour surveiller, pour voir que c'est pas normal forcément que des entraîneurs soient trop proches de leurs athlètes féminines. Le sport, je dis toujours, c'est un peu le miroir de la société. C'est quelque chose qui existe dans notre société tous les jours. Les femmes, des fois, n'ont pas accès aux meilleurs postes. C'est difficile pour elles de s'exprimer si elles n'ont pas les mêmes rémunérations. Il y a plein de choses qui existent de la même façon dans le sport que dans la société. Et oui, c'est triste de savoir qu'il y a encore du chemin à faire, même s'il y a des choses qui changent.